Bonjour les mordus du ski, bienvenue à la capsule conseil. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui va définir votre intention sur les skis. Alors, quand je conduis ma voiture, je regarde la route et je suis conscient de ma vitesse. En ski, la même réalité existe. Alors, un exercice ou une tactique qui va vous aider à vraiment réaliser ce qu'on veut faire comme chemin avec les skis, je vais vous demander de faire ce qu'on appelle en anglais un shuffle avec les pieds. Alors, regardez mes pieds. Alors, cette action-là, je vais la maintenir tout le long de la courbe pour me forcer à avoir une courbe très ronde et aussi à ne pas peser sur le ski, mais bien à le basculer. On essaie ça. Regardez ce que mes pieds vont faire. Alors, tout le long de ma courbe, j'essaie de shuffler mes pieds ou en tout cas les bouger sans interruption pour me forcer à faire une courbe dont le début sera très rond et surtout en basculant les skis. Maintenant, j'enchaîne avec la même impression de route et avec la même impression de basculer mes skis pour faire engager l'écart. Alors aujourd'hui, on a des conditions qui sont légèrement glacées ou durcies. Néanmoins, mon ski arrive à bien couper tout en tournant sur une courbe et en maintenant la vitesse. Rappelez-vous, on ne tourne pas pour freiner. On essaie de garder le plaisir de glisser tout le temps. Alors, les mordus du ski, je vous invite à faire à l'occasion une leçon, une session, une mise à jour. Vous allez voir, vous allez juste augmenter votre plaisir de skier. Bonne saison à tous!